Pour nous, c'est une aventure humaine, ce sont des rencontres humaines. Et à partir de là, maintenant, on peut construire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux d'être là. Le festival se passe bien. Les films que nous avons vus sont de très bonne qualité. J'ai eu des coups de cœur pour certains films. J'ai vu que les élèves étaient vraiment des créateurs, notamment au niveau, surtout, du talent pour les monteurs. J'ai vraiment apprécié la qualité de montage de certains films. Cette année, on a deux films. Premièrement, c'est La vie de Fatim. Et secondo, c'est Noir et Kurupoko. Donc, nous tous, on a proposé nos scénarios. Mais avec l'aide de nos professeurs et consorts, on a pu sélectionner deux thèmes. Vous voyez que dans La vie de Fatim, il s'agit de la problématique des enfants dans la rue et de la scolarisation des enfants. Donc, les orphelins, généralement en Afrique, ils n'ont pas de repères. Si vous n'avez pas été recueilli dans une bonne famille, ben, ça devient difficile. Le deuxième film, c'est bien sûr sur la thématique de l'enfantement, parce que l'étincelle ici, c'est la grossesse, parce que le thème du festival, c'est l'étincelle. Donc en Afrique, une fois que vous êtes marié, un an après, s'il n'y a pas de grossesse, on commence à se poser des questions, on accuse la femme d'être responsable de la non-procréation. Et donc voilà, vous voyez que c'est un couple atypique qui s'aime bien, mais malgré les pressions sociales, le monsieur est obligé de dire merci à sa femme. Donc en fait, c'est une sensibilisation et en même temps, à travers l'image, pour en fait contribuer aussi à changer les mentalités. J'ai choisi le cinéma parce que je me dis que dans le monde d'aujourd'hui, et partout il y a la télé et n'importe qui a un téléphone et la vidéo se lit partout. Donc je me dis que voilà, c'est bien d'avancer dans le cinéma et de m'exprimer. Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. À travers le cinéma, on peut faire passer nos messages. Parce que
Vu qu'il y a des festivals qu'on organise au Burkina, comme par exemple le Feswako, on peut projeter ça là-bas. Parce qu'il y a des chances de l'essayer qui vient souvent à nos activités. Puis c'est intéressant. On profite de ça pour faire passer le message. Le Feswako, c'est une fierté nationale. Et donc, toute personne qui est dans le milieu du cinéma voudrait en tout cas être sélectionnée au Feswako. Et je pense que ces jeunes que j'ai avec moi, dans quelques années, peut-être ils verront les œuvres être sélectionnés au Feswako afin de participer à cette biennale du cinéma africain. Le niveau du cinéma africain et burkinabé n'est pas le même que celui du cinéma en Occident. Donc pour l'instant, nous devons parler encore de pas mal de choses en rapport avec notre société, afin d'impulser un peu le changement ou le développement. Et puis bon, quand on aura un niveau aussi développé, on pourra rentrer dans les science-fiction et autres. Mais pour l'instant, on fait le cinéma d'auteur, on parle de nous-mêmes, c'est plus intéressant. Au lycée, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, à travers des formations qu'on fait au FESPACO, d'autres formations qu'on fait à l'Imagine, on nous aide à... Bon, c'est pas assez, mais quand même, ça sortit en fait. À travers la RLV, on a connu beaucoup de choses et on sait que voilà, une compétition qui se passe ici et la place qu'il offre au cinéma dans cette ville, voilà, c'est vraiment extraordinaire. J'ai remarqué que vraiment ici, les moyens de production étaient vraiment disponibles pour les lycées, les élèves, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, vos tournées, on est obligé d'emprunter, de louer du matériel. Donc, ça fait qu'il y a une petite longueur d'avance des élèves d'ici par rapport à nos élèves. Et puis, ils ont les options cinéma, ce que nous n'avons pas dans nos systèmes éducatifs. Donc, on espère qu'en vivant cette expérience-là, on pourra la déporter au Burkina et persuader les autorités afin d'avoir ces options-là, options cinéma dans le système éducatif. Et puis, et qu'on puisse doter les établissements de certains matériels, notamment caméras, tables de montage, etc., quoi, pour faciliter vraiment la tâche aux élèves. Et puis, on tient à remercier encore, à témoigner toute notre gratitude à l'endroit des organisateurs des rencontres lycéennes de vidéo, à la municipalité de Bagnères et puis à tous les festivaliers qui ont effectué le déplacement. Bonjour. Le ministère de la Défense nous a informé que cette année, le journal historique, le Custus Libéré, s'est fait doubler par son rival, la Gazette Gazost, ce qui causerait un déséquilibre géopolitique en Bigorre. Votre mission, si vous l'acceptez, est de récupérer le palmarès du jury avant la cérémonie de clôture pour diffusion sur les réseaux sociaux. Toutefois, si vous ou vos agents venez à se faire capturer ou tuer, nous nierons toute implication. Ce message s'autodétruira dans les 10 secondes. Bonne chance, Jim. Bonjour. Bonjour, chef. Vous avez été sélectionné pour la mission Palmarès. Vous connaissez notre objectif. Nous avons affaire à un bâtiment ultra sécurisé. Brolin. Oui, chef. Nous savons quand est-ce que les notes du jury transiteront hors du bâtiment. C'est à ce moment-là que vous interviendrez. C'est comme si c'était fait, chef. Surtout, ne vous trompez pas.
Brolin a échoué. Il ne maîtrise pas le tri sélectif. Comme vous le savez, le temps presse. Nous devons reprendre les choses en main. McMorgan, McCormick, je vous laisse carte blanche avec le président du jury. Soyez créatifs. C'est comme si c'était fait, chef. Donne-nous le palmarès. T'es bien au jury? L'année dernière, oui, mais pas cette année. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses déjà de pouvoir discuter de notre point de vue avec différentes personnes. Ça nous apporte d'autres éléments, par exemple, qu'on n'a pas vu, des détails, des petites choses comme ça. Après, c'est super sympa, on fait connaissance, on fait des rencontres. C'est le principe aussi de rencontres lycéennes vidéo. Il y a eu cet échange entre nous où on a eu un partage, mais un peu hors du commun, où on rassemblait des critiques qui étaient que bénéfiques, puisque on pouvait s'autocritiquer, se remettre en question et voir qu'on pouvait être inspiré ou qu'on pouvait être tout simplement d'accord sur des sujets ou en désaccord, mais justement on essayait de se comprendre chacun. Et après c'était sympathique aussi de voir qu'on avait des avis parfois similaires et parfois assez quasiment contradictoires et que on n'était vraiment pas d'accord sur certains points et chacun pouvait donner son avis et dire des choses, comment ils interprétaient certains films. Parce que quand on est juré, je trouve on essaye plus de se concentrer sur les films. On a une sorte de pression, se dire qu'il faut vraiment bien les regarder pour pouvoir en parler par la suite. Et même échanger avec les gens qu'il y a autour, ça m'a permis de recomprendre des trucs que j'ai pas compris dans les films. Vraiment, ça force à en rediscuter, à avoir d'autres perspectives. Et vraiment, c'est une super expérience, je trouve ça très très cool. Finalement, j'étais un peu le méchant jury. J'étais celui souvent qui mettait les notes les plus basses et qui, enfin par rapport aux autres, et qui peut-être essayait de chercher un peu le détail qui fâche. Donc j'ai bien aimé ce rôle. On est en face d'élèves qui ont vraiment travaillé, qui ont eu l'envie de produire avec leur imagination, avec leurs mains, avec leur vision des choses. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier le travail qui a été fait derrière et la persévérance que chacun peut avoir après, rien que pour être reboosté. C'était un peu difficile quand même parce qu'il y avait plein de bons films. Mais on a quand même réussi à se mettre à peu près tous d'accord, enfin même tous d'accord sur le choix final. Donc du coup, c'était plutôt sympa. Le débat, ça s'est bien passé. Moi, j'appréhendais un petit peu au début parce que j'aime pas parler à l'oral. Mais ça va. Mais après, oui, ça s'est super bien passé. Le public était très réactif, donc ça allait, ouais. Mais si on a essayé de prendre des films qui vraiment étaient bons en tout point ou qui avaient moins de défauts, après, voilà, il y aura forcément des aspects subjectifs. On ne peut pas être purement objectif. On n'est pas non plus des professionnels du cinéma. On est aussi des spectateurs avant tout, avec leurs jugements, leurs émotions et tout ça. On essayait pour le débat de ce matin avec tout le monde de prendre des films où on a eu un grand écart par rapport au vote, des idées très différentes. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de gens du public ont parlé et ont posé des questions. Donc c'était plutôt intéressant. On sent vraiment que chacun a un point de vue et que tout le monde peut l'aborder. On n'est pas que voilà. Là, on était tous les cinq, c'était déjà intéressant d'avoir chacun. Enfin, de. Oula. À cinq, c'était déjà intéressant d'avoir. De montrer chacun son point de vue. Mais que là, avec toute la salle, c'était vraiment cool de voir que tout le monde avait son mot à dire sur tel ou tel film.
Les deux Macs ont échoué. Ils n'ont pas fait la bonne rencontre. Je ferai envoyer une boîte de chocolat à sa femme. Bon, nos services techniques ont mis au point un appareil ultra sophistiqué, non encore homologué par l'ONU. Stevenson, je vous laisserai faire les essais grandeur nature sur les membres du jury avec cet aspirateur à pensée. C'est comme si c'était fait, chef. Wow, j'y crois pas. Elle a encore changé de robe, Sabine. Elle doit avoir une sacrée penderie de robe, j'y crois pas. C'est pas le pic du midi qu'on voit là-bas. Tu m'as dit qu'on l'avait jamais vu aussi bien, avec un temps ensoleillé, et dire qu'on peut même pas y aller. Bon, Stevenson a échoué. Elle s'est contentée du superficiel. Au grand mot, les grands moyens. Il va falloir utiliser l'arme ultime. Douglas, c'est à toi. Voici un plan du bâtiment. Ici, c'est l'entrée. Il va falloir pénétrer jusqu'à la salle du jury. Ici. C'est comme si c'était fait, chef. Madame, votre bague, s'il vous plaît. Oui, je l'ai oublié à l'intérieur, justement, dans mon sac. C'est idiot. Vous n'avez pas votre bague, je vous ne rentrerai pas, madame. Non, je viens de vous le dire, je l'ai oublié à l'intérieur. Je ne vous le répéterai pas deux fois. Pour deux secondes, hein, je vous assure, ça va pas être bon du tout.